Peter Hallet, c'est que je suis un passionné de courses de moto. Quand j'ai rencontré Benjamin et le team Boutsen, j'ai tout de suite eu le déclic parce qu'on avait là les ingrédients potentiels d'un artiste américain que je connaissais, sachant s'intéresser à la course lui aussi. Et donc le pas vers une voiture dessinée pour la course par un grand artiste américain était facile à franchir. Dès les premiers moments, la voiture est apparue sur tous les sites internet et toutes les éditions qu'il y a eu sur les 24 heures de Spa. Eh bien, on a montré notre voiture, elle était toujours présente. C'est une très belle vitrine. Ouais, c'est clair que je dirais que ça a une vue, comme je l'ai dit, mondiale. Donc il est clair que pour nous, c'est important de bien figurer. Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette Total 24 Heures de Spa. C'est l'une des courses les plus disputées à laquelle on risque d'assister. Voilà, et le temps d'admirer cette belle art car, la BMW du bout de scène Gignon, une des équipes belges évidemment présente dans cette Total 24 Heures de Spa, avec une voiture splendide et un pilote belge d'ailleurs au volant de cette voiture, Benjamin Le Sen, entre autres. C'est pour moi un rêve d'enfant de venir ici à Francorchamps depuis très longtemps, et alors aujourd'hui pouvoir y participer, c'est vraiment un rêve qui se réalise. Ça s'est fait assez naturellement dans le sens où ben voilà, on essayait de trouver une façon pour me faire rouler un petit peu différent, qui sort un peu du commun, donc on se rend compte qu'il faut innover. Ça fait maintenant 9 mois qu'on travaille sur le projet et je suis très ému de l'avoir aujourd'hui prendre le départ.